Incroyable transition CNRD. Imaginez le 5 septembre que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Guinée allait se passer. Qu'on devait enlever le président Alpha Condé pour ça. Qu'on devait enlever le président Alpha Condé pour ça. Incroyable, mais vrai. J'espère que vous avez vu ces images. Partagez dans tous les groupes. Regardez les enfants évanouis. Hein. Regardez tous ces enfants-là évanouis. Vous avez tous vu la scène incroyable pour l'arrestation de M. Touré, le porte-parole des sinistrés de Kaloum. On déploie tout un contingent dans une école. Vous avez vu les élèves à Tombo là-bas, à Kaloum. Allez perturber les cours. Traumatiser les enfants. Oh, malheureusement, j'allais vous montrer le nombre de gaz qu'ils ont utilisé contre les élèves. C'est incroyable. 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 Arrêter un citoyen, un enseignant, en plein cours, ils n'ont même pas attendu que le monsieur se rende à la maison, non. En plein cours. C'est vous qui savez. Toi... Qui dit que c'est plus violent qu'Alpha Condé, là. C'est bien fait. Vous n'avez pas dit que c'est Alpha Condé qui est votre problème. Comme si Alpha Condé, c'est comme ça qu'il gérait le pays. Vous n'avez absolument rien compris d'abord. Ici, on ne parle pas d'élection. On ne parle même pas d'élection. Voilà. Mais... Si les Guinéens ne se réveillent pas, les Guinéens ne se réveillent pas. Les Guinéens ne font rien. Mamadi, ce qu'il a envie de faire, il va le faire. Parce que Mbara Fall Obe, ce sont des bandits. Ce sont des bandits. Et on est dans tout ça, pendant que les jeunes de Kalo, les habitants de Corentin dorment au dehors, vous avez vu les documents, comme je n'arrive pas à télécharger, sinon je vais partager sur mes pages. La loi de finances en vigueur, c'est-à-dire les dépenses de la présidence actuelle,
Chaque jour, imaginez, malgré que le pays, tout est bloqué, hein, tout est bloqué. Imaginez les dépenses de la présidence. Ce qui est même officiel, ce qu'on dit. 200 000 dollars chaque jour que Dieu fait. 200 000 dollars. Non, mais c'est incroyable. Près de 2 milliards de nos francs. Pendant ce temps, ils vont pour donner que 1 million aux sinistrés. Mais chaque jour que Dieu fait, chaque jour, c'est plus de 200 000 les dépenses de la présidence. Ce n'est pas de construction. Ce n'est rien d'autre. Rien d'autre. Si ce n'est pas acheter leur conscience, payer les petits des forces spéciales, à part ça, rien d'autre. Quand est-ce on va se réveiller? Quand est-ce le peuple de Guinée va se réveiller? La Guinée qui comprend. Maté Mundou. La Guinée qui comprend. Maté Mundou. C'est vraiment dommage. Dommage. Dommage pour notre pays. Loro yo loro. Chaque jour, Mamadi Doumbouya, à Noara, bandit groupé, 200 000 dollars étant, et la dépense nanaki par jour, présidence des putschistes, transition Boumadi. Président Fakonde, Naga y a le projet FEMA qui a fait, étant mou dépense Naga Naba, sous cette transition, c'est ça. Ceux qui nous disaient que les Guinéens souffraient. Pendant que la Guinée n'a torofé, mais étant président semaine, 200 000 dollars. Nanan dépensé ma chaque jour. 200 000 dollars. Près de 2 milliards de nos francs. C'est ce que le CNRD, sous le CNRD actuellement, CNT, et nanan validé. CNT, men, et nanan validé. 70 millions, il nous calcule là-bas. Plus de 70 millions de dollars. 70 millions de dollars. Nananake, hôpital Donka, a tout rénové. La rénovation, ça a coûté plus de 70 millions. Nananake, Mamadi Doumbouya, Nanye Ferimbouma, il pouvait. N'a donc un modèle Ferim, acte la Guinée. HHU, Ati Zerekore, Ati Kanka. Transition. Nakobri Birindounia. Le président légitime de. Nayat mou dépense naganaba. Di bandi, di dictateur, di mounyati. Et mou sese kolo. Kambirimbaye d'or mou mamene. Escroi soma. Kobri soma, escroi ira. Comment Mamadi ne peut pas dépenser plus de 70 millions? Par an, 70 millions de dollars par an, sous le CNRD. La Guinée d'or, mais qui n'a pas de personne. Et les documents sont là-bas, le CNT. Hein? Birindor, transition Bouma, il faut la mairie. Lui qui disait que, voilà, l'exemple, John Rawlings. Thomas Sankara, aujourd'hui, on ne s'inspire plus de ces anciens-là. C'est Paul Kagame. Naganfa fait 5e baba, 6e mandat, brigadier. 6e mandat, toi tu es venu tuer les Guinéens ici. Ça dit, nous, Manyago, Afema, l'Erinde, Nagano. Ce n'est pas les paroles qui vont libérer le peuple. Il faut des actions populaires. Population Biringa Kelly pour faire partie de ce bandit-là. Biringa Kelly. Il faut que les gens se lèvent. Mireira Kelly. Mireira Kelly. Mamadi Tangasiga.
Mamadi Tanga Siga. Amo abirim falama. Abirim tamu falama. Vous êtes en train de dilapider l'argent des Guinéens. 70 millions. Hein? 70 millions de dollars. Mamadi Doumbouya n'en a dépensé annuellement. Un mois boum, imaginez, plus de 15 millions de dollars. N'a pas la neki. Alamou 15 millions. Oli. Mais on en a 200 000. 200 000. 3, donc vous prenez 5 jours déjà, ça fait 1 million. 6 millions pour un mois. Plus de 6 millions, un mois nanaki. Mamadi Doumbouya. Hein? Plus de 6 millions de dollars à tanga dépense nanaki, kike yo kike. La Guinée, quand est-ce le pays va aller de l'avant? Et nous savions tous, c'est-à-dire. Monaya tina moufari, na dimo karang, 40 tari na gan neki. 40 tari. Hakli yoma ira. 21e siècle. Regardez l'école aujourd'hui. Ça veut dire que l'école, ça n'a pas d'importance pour eux. C'est pourquoi on envoie des gendarmes aller chercher un citoyen. Ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un criminel. Porte-parole d'un mouvement. Porte-parole d'un mouvement. Des sinistrés, le monde entier a vu ce qui s'est passé en Guinée. L'explosion du dépôt, il y a eu des victimes. Et le porte-parole des victimes, ce n'est pas un illettré, en plus c'est un enseignant. Pour aller le chercher, on envoie tout un contingent à l'école. Hein? Regardez ces images. Hein? Vous-même voyez ces images. Regardez ce qu'ils font aux élèves. J'ai déjà dit, ce régime, vous êtes en train de maintenir les gens par la force. Mais vous-même, vous savez que c'est fini. Population, parce que vous les fallait, fissrilom balina naura. Les gens de Kaloum, Mgyo Obaba Roinara, c'est chez vous, c'est votre village Kaloum. Personne, bandit, transition, c'est juste un petit temps. Neta Mufama et Raotam Findi, Barfa de Tana, Baskot Men. Et Tamufama, et Narabaura, Mgyo Musgama et Baba, Rabangi, et Re Kelimen, et Ratinar, Natana. Vous avez vu maintenant que vous êtes bien organisé, auto-organisé. Et Nagarufe Oyara et Rao intimidé, n'acceptez rien du tout. J'ai dit, si vous voulez vendre vos terrains, ça doit être de votre propre gré. Mais des bandits, un groupe de bandits, de gangsters comme les Mamadi Doumbouya, Netamou Fama et Rao Tanami, ils ont récupéré les domaines de l'État. Pourquoi ils n'ont pas construit sur ça? Et pour vous dire que c'est des vauriens, c'est des bons à rien. Ils ne savent même pas c'est quoi les biens de l'État. Et ta mère colloque, non, ça appartient à tous les Guinéens. On fait souffrir des Guinéens pour qui? Qui est mieux que qui en Guinée? La Guinée fait ta main. Quand on dit domaine de l'État, ça appartient à qui? Ça appartient au papa de Mamadi Doumbouya. Ka Adja Mandjoura Benara. Les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Quand on doit gérer ça, c'est avec sagesse, pas avec arrogance, pas avec mépris. Alors ces bandits qui sont à la tête du pays. Omar Kolidji est en Dougoulana Nadjira. Vous partez traumatiser les enfants à l'école. Quand vous voulez arrêter le porte-parole des sinistrés. Il n'a pas volé. Il est passé devant une émission, devant tout le monde. Il n'a pas fait atteinte à la sûreté de l'État. Au rang de la constitution Nyari.
Je ne sais pas, construction quoi, du transitoire. Qu'est-ce que vous avez dit là-bas que le monsieur a violé? Bande de nulards. Vous n'avez aucune notion de la République. Pendant ce temps, ils sont en train de voler. Pour les soldats patriotes, je vous ai dit, Mamadi, c'est un gros bébé. Hein. C'est un gros bébé. Ne le voyez pas comme ça. C'est un gros peureux. Manka liyemi makodito. Agaro, agaro, agaro. Onarato na kite cholan cholan. Bébé di nara. Mamadi Doumbouya. C'est un gros bébé. Oto ato manaki. Gros bébé nara. Même à Sahari Bangui. Même si une couillère tombe. Ou à Sanyito qui a naka cholan. Même pantalon. Amara lima. Même à la tenue tant qu'il n'a fait sa baigne à rafala rabakos au mator kakilambe à nous et Paul Kagame n'a rien à tout couille à veste n'a pas souma à fanira et nous on a fait auto mais attends que mato allo mec allo magbana apprenti n'a rambara et moi raba à mamara maman du lourd nakina wa photo wa zoomé wa mato à fanira parce que image que c'est les mêmes images. On a maman dit tout, allo en pranti magbana, un mois qu'on a créé, amou, yema faterali, madi loro nakine, wa belare, bébé rimato. Allo sori ya falor à tanangwema. Nanan falar, daria yo moussa ma fari, fissuli lombali, mgyomu ala kolon, mgyomu, toute personne qui n'est pas droit, wallahi daria moussa ma fari. Tant que contact direct mouna itanou ala tagi. Allah n'a pas fallu. Allah n'a pas bon. N'a pas fallu. Ceux qui disent mengaya Allah m'a mis faret en fissure l'ombali. Allah m'a mis fait féro. Parce que la Bible est claire. Le Coran aussi est clair là-dessus. Mara n'a fait fallu. Il y a d'arrière, mais quoi, il t'a sur le moment dit. Il t'a que toi, srantaya lié quoi. Srantaya. Il a masaya. Aketo srantaya ni. Ala bento srantaya li. I bento li fana. Les gens ont juste peur. Hein? Molu islana li. Mais à l'autre dos là. C'est ça la vérité. À l'autre dos là. À l'autre dos là. Mamadi Doumbouya. Personne ne veut de ce pouvoir aujourd'hui. Personne. Personne. Maître Diané, l'armée républicaine. Vous n'avez pas vu le game de Mamadi. Ils ont d'abord trompé leur patron, le président Alpha Condé. Avant même le coup d'État, le préliminaire d'abord. Tous les hommes forts, les Nou Cham, les De Gaulle, l'aide de camp de général Sékouba Konaté, ils les ont tous éliminés. Monsieur Condé, vous savez, on disait à l'époque, demandez les militaires, ils vont vous dire, le camp de Samouria était l'un des camps les plus armés de la Guinée, Kindia. Et Monsieur Condé était le commandant. Il avait la clé de l'armée. Ils ont monté un complot contre Monsieur Condé. Vous avez vu le monsieur qui a été tué, dont vous voyez les images, Doumbouya, est en train de tirer le corps dans un pick-up. C'est pourquoi je dis ce pays, c'est Dieu qui doit nous sauver. Parce que tout est fait sur le mensonge. Les innocents ont été tués. Ceux qui sont sales, ceux qui sont pourris, on est en train de prendre ces gens-là comme des bonnes personnes. Si vous voyez aujourd'hui, tout ça brûle. Je vous ai déjà dit, ce sont des signes. Mais pour les croyants, pour ceux qui croient, moi je ne parle pas des païens, des kafres, mais les croyants, ceux qui réfléchissent bien. J'ai dit qu'il n'y a pas de baraka dans ce pouvoir. Toutes choses qu'on fait, même nous les hommes, nous devons chercher de la baraka vers nos parents. Vous pouvez tout gagner, mais quand vous n'avez pas de la baraka, vous perdez tout. C'est aussi ça la vie. Vous avez vu? J'ai comparé la dernière fois l'histoire du prophète Sayyidina Issa. Jésus. On l'a attrapé, on l'a crucifié. Mais Dieu l'a élevé autrement. L'histoire de Moïse, l'arrogance, ça l'a conduit en quoi?
Tam, ils ont fait le coup d'état au président Alpha Condé, mais ils l'ont grandi. Même le docteur Kassori, les Damaro, ainsi de suite. Quand on regarde le 5-7. Tam, et maintenant, avec le temps, les Guinéens ont compris. On voit la vérité. Que ce sont les autres-là. Même si d'autres devaient venir remplacer le président Alpha Condé, ce n'est pas ces bandits-là. Même si d'autres Guinéens devaient venir, ce n'est pas eux, ces bandits-là. Pourtant, on avait tout dit. Le président Alpha Condé aujourd'hui. Combien le réclame aujourd'hui? Même ceux qui étaient opposés à lui, il y a de ces vérités, ils reconnaissent aujourd'hui. Ils n'ont pas compris. Ils sont là juste toujours à croire aux fétiches. Dans des villas à Conakry aujourd'hui, ils ont fait venir des Indiens. C'est-à-dire pour travailler le peuple de Guinée. Era Mourahi, Kamol Lasuno, quoi. Era Mouba essentiellement. Opposer le peuple. Vous voyez, c'est pourquoi ils vont verser le sang. Les grands carrefours, vous savez, Mret, les gens passent là-bas. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Adam a dit Begbena dangi mamene. Donc tout ce qu'ils font spirituellement, le fait que les Guinéens vont là-bas, les sacrifices qu'ils font, nous serons un peu opposés. Comme je vous ai dit, histoire RPG, UFDG, Foulet, Peul, voilà. Eux, ils ne croient qu'à ça. Les maisons sont remplies aujourd'hui des marabouts indiens. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas que Dieu, Allah, Dieu est en train de jouer avec eux. Vous voyez aujourd'hui, Dr. Kassori, moi je l'ai dit, la prison pour ces gens, c'est bien. Tout le monde a vu le procès de Damaro. Les Guinéens ont compris qu'il n'y a rien dans le dossier. J'ai dit, c'est une manière, le CNRD, ils sont en train de blanchir, élever certains, sans se rendre compte. Docteur Kassori, on a entendu, non? Conteneur d'argent, quand il est venu avec ça aux États-Unis. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ces gens-là, ce n'est pas ses amis. C'est des gens qui ont renversé leur pouvoir. Ce sont eux qui sont en train de les juger. Qu'est-ce que Ali Touré n'a pas dit ici? Que Dr. Kassori a une banque aux États-Unis. Ils ont prouvé ça au Guinée? Non. Que Dr. Kassori est propriétaire de Sheraton? Ils ont prouvé ça au Guinée? Non. Que Dr. Kassori a Park Auto? Donc tous ces mensonges ont été dit ici. Eux-mêmes, ils sont incapables de prouver. Au Guinée. Donc, tout ça, c'est le travail de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils sont en train de blanchir les autres. Même le président Alpha Condé, je l'ai dit, de la manière dont feu Ahmed Sékou Touré, père à son âme, est décédé, d'autres ont continué à nourrir la haine de génération en génération. Et cette haine continue jusqu'à présent contre Sékou Touré. C'est pourquoi j'ai dit à Alhamdoulilah, le président Alpha Condé, il n'est pas mort, il est vivant. Ceux qui étaient opposés à lui, si le président Alpha Condé mourait aussi, c'est même cette haine qui allait continuer. Mais cette pause, moi j'appelle ça pause de vérité, pour que les Guinéens sachent de quoi le monsieur était capable depuis l'arrivée du CNR de 2 ans, malgré que nos caisses étaient remplies. Nous avons connu Ebola. Mais le pays se portait bien. Mais les bandits sont venus aujourd'hui, ils ont tout dilapidé. Ils ont tout dilapidé. Yeah. Bon, pour le MSP, une info, vous savez, Mamadi a peur aujourd'hui, malgré qu'il a mis des murs en béton devant le palais. Ah, il y a les hommes. Mamadi, depuis qu'il a vu la vidéo des commandos qui sont venus libérer Claude Pivi, Mamadi, il n'est plus tranquille. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi les enfants de Claude Pivi sont gardés. Ils les gardent comme des boucliers.
ils les gardent comme des boucliers. Parce qu'on dit l'autre, koi koi, c'est le chouchou. Comme on dit Bodokada dans les familles de Claude Pivi. C'est pourquoi les deux là, ils les gardent comme ceux qui ont les mauvaises langues qui racontent de n'importe quoi là. Si quelque chose est arrivé à Claude Pivi ou bien à son garçon, il n'allait jamais les garder. Mais par peur, vu comment les commandos ont tabassé, les commandos ont maté les forces spéciales. Et Mamadi se dit que si ces gens-là, comme c'était la maison centrale, le jour qu'ils vont s'orienter sur lui, là, pour sauver sa tête, peut-être que c'est les enfants de Claude Pivi, il va dire, si vous ne faites pas ça, je vais faire ça. C'est tout. C'est tout. Il est au courant. Il est informé. Il sait qu'il y a les hommes en Guinée. Le jour n'est pas encore arrivé. Le jour que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va décider, ça va se passer. Je vous ai dit, restons tranquilles. Mamadi est conscient. Pour vous dire que il ne dort même pas toujours au palais là-bas. Il sort comme un rat. Il sort comme un rat pour aller dormir ailleurs. Rentrer très tôt. Allô, Nyenge Guinée. Pas que le bandi Guinée. Allô, Mané. Ababara Soassade. Anouanga. Après, Afamini. Amanso Mané Soubaka. Awa Mamadi Doumbouya. C'est pareil. Anana Nabama. Asigaki. Khirinde. Voilà. Et là, il faut que je garde un secret, je vais un plan Birinkana. Pour vous dire que Mamadi, à Garo, où il est aujourd'hui, il a peur. Il sait que si les gens là, décident d'aller au palais, il a mis les murs et autres là. Les gens là n'ont pas besoin de 4x4. Eux, c'est des blindés, des hommes blindés. Mamadi, c'est des commandos. C'est des commandos, Mamadi. Je vais mettre des murs. D'abord, ça arrange même les commandos là. Il y a d'autres qui vont rester devant la cour. Il y a d'autres qui vont rester devant la cour. Quand eux, ils vont descendre dans la cour, c'est des commandos. Ils peuvent venir. Descendre dans la cour, Mamadi. Vous matez là-bas. Eux, tu tires sur eux. On dirait que tu es en train de jouer avec eux. Tout le monde a vu la vidéo. Comment ils ont maté les forces spéciales. Donc, le type, il ne veut pas laisser les enfants de Claude Pivi. Il veut les garder comme des boucliers. Il veut les garder. Mais le jour qu'ils seront prêts, Mamadi, il a quoi, Inch'Allah, avec la bénédiction du peuple de Guinée, avec la bénédiction, la baraka du peuple, il a quoi, Abanto Oloni, ce n'est pas vos cramos solo, ce n'est pas vos fétiches là qui vont te sauver. Tu n'as pas cherché de la baraka. Tu n'as pas cherché la confiance du peuple. Tu as voulu utiliser la voix du diable pour gouverner. Ça va se retourner contre toi, Mamadi. Mbarafinyane. Ibrako Kokela. Quoi que tu fasses, Mamadi, ça va se retourner contre toi. Ibrako Kokela. On n'a plus besoin de dire ça à quelqu'un. Même le procès qui est en cours, vous avez vu ce soi-disant un blakoroko, je ne sais pas, avocat, qui est là-bas en train d'humilier les docteurs Diané, les Damaro. Si ce n'est pas cette transition, un farfelu comme ce jeune-là, qui se flanque pour raconter de n'importe quoi. J'ai la chair de poule. N'a même pas honte. Parodie de justice, ça se dit partout. Partout dans le monde. Un farfelu comme ça qui s'arrête pour raconter des conneries. Manque de respect. Vous ne voyez pas les maisons en construction à Conakry? Vous ne voyez pas que la CRIEV, vous luttez contre la corruption? Vous ne connaissez, vous ne voyez pas les immeubles qui poussent là? Vous ne connaissez pas les propriétaires? Quand il s'agit de faire la justice des vainqueurs, la justice des plus forts, là, vous saviez l'appliquer. Mais quand il s'agit de le faire au nom du peuple, on rend justice au peuple.
Parce que quand je dis les biens de l'État, ça appartient à tout le monde. Il ne faut pas qu'un petit clan en profite. Vous rendez la justice pour le peuple et non pas pour Mamadi. Vous ne le rendez pas pour ces putschistes. Donc au lieu de vous flanquer devant nous et raconter des salades. Il y a quelle justice? Depuis l'arrivée du CNRD, trois ministres de la justice, déjà. Trois ministres. Je crois que c'est la dame Yari, la dame qui avait été nommée, elle avait la volonté de vraiment bien travailler. Mais vu qu'elle a demandé aux membres du CNRD de présenter leurs biens, l'arrogant de Amara, d'ailleurs Amara ne voulait même pas l'idée de la CRIEF. Ils ont fait, d'abord la dame avait démissionné. C'est là que vous sentez que ces gens-là, ils n'aiment pas la honte. La dame avait déjà rédigé sa lettre de démission. Wallahi, elle avait rédigé. C'est comme M. Mohamed Biavogui. Voici des hommes. Si la Guinée, c'était des cadres comme ça qu'on nommait dans l'administration, la Guinée allait s'en sortir. Parce qu'ils se disent, même si ces postes-là, ils ne les ont pas, ils peuvent gagner du boulot ailleurs. Elle avait son cabinet au Sénégal. La dame qui avait été nommée ministre de la Justice. Mais vu que c'est des bandits, c'est des incohérents, ils n'ont pas voulu. On dit, on a demandé leur bien. C'est ça, quand tu veux appliquer la justice aux autres. Vous devez être un modèle. Vous devez prouver aux gens. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, Amara a des chantiers, il est en train de construire. Et les ministres qu'on nomme aujourd'hui, beaucoup payent des cautions avec lui. Non, mais Diane. Inch'Allah, on va se réunir en de Kounoulondola. Et Mamadi est attaché. Wallah ya deke. Kossi bantrote la lirika maintenant. Kossi bantrote la lirika maintenant. Aujourd'hui, ils se disent que non, voilà. Quand ils sont forts, voilà, ils ne sont même pas forts. Vous avez dit, vous avez vu la dernière fois, il y a eu des tirs à Kaloum, non? Je vous ai dit, c'était les jeunes des forces spéciales. Ils n'étaient pas payés. Mamadi n'avait pas payé leur prime. Le premier groupement des forces spéciales, il les a trompés, il a fait le coup d'État. Et il s'est arrêté devant eux pour dire que lui n'a pas signé un contrat de coup d'État avec quelqu'un. Après, il y a eu des morts, non? Petit Diané est mort. Kouyaté est mort. Kabine Traoré est mort, Souma est mort, plusieurs sont morts. Le premier groupement des forces spéciales, les Pierre qui étaient derrière lui, les Moriba Abba, ils sont où aujourd'hui? Les Michel Lama, ils sont où? Les Épervier là, ils sont où aujourd'hui? Où sont ces éléments-là? Je vous ai dit, Mamadi, le jour voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, il va finir comme Robert Guéhi en Côte d'Ivoire. On va se réveiller un beau matin et on va entendre que non, à Fouressar Yirinde, à l'Obaré. Parce que Fisrilom Balimourafa Alama, Dieu n'aime pas. On ne donne rien à Allah. Quelle que soit ta richesse, tu ne peux rien donner à Allah. Il te dit de faire des sacrifices. Hein? Ira Sadaraba. C'est tout ce que Allah nous demande, le partage. Mais ces arrogants-là pensent que non. Ce qu'ils ont là, c'est éternel. Ils ont oublié que la Guinée a connu des présidents dans le passé. Ils pensent que non, c'est maintenant la République, ça commence. C'est tonneau vide là, c'est vaurien là. Alma Fossi et Fonoba. Agnewa Matou. Les imams là, vous avez vu l'archevêque de Conakry. Moi, c'est pourquoi je dis, hein, je suis musulman. Mais j'ai un respect. Un respect pour les chrétiens de la Guinée. Slamaya to le kotien. Slamaya kotien ki terin. Slamaya wole. Mais anna imam dolbrake suruku. Anna imam dolbrake via fola na filie boutou. Comme l'imam de Matoto. Je vais toujours taper sur ce imam na figi. Imam de Matoto. Et le karamo solo là. Tant que imam slamaya to le kotelin.
Slamaya tole koka tienfo. Slamaya femme ye kura nakono, koka ofo. Mais kalu yere ke politicien na fi. Il faut que vous arrêtiez maintenant. Vous ne voyez pas nos parents, nos frères, chrétiens de la Guinée, al date demagogiro. Vous n'allez jamais les voir. S'ils prient à l'église, c'est pour la Guinée. Vous n'allez jamais les voir. On va prier pour Gomu, on va prier pour Dadis, on va prier pour tant. Les chrétiens, quand ils prient, c'est nous les musulmans, on part s'asseoir. Année doit ok, transition doit réussir. Albek, Albenafi. Tous ceux qui prient qu'aux transitions doivent réussir, Albenafi, si vous devez prier, la Guinée la Héré, la Guinée la Héré n'a pas encore. Birin doit ourabama, alarana sonner araba mutambe. Hein? Si tout le monde prie pour dire ce qui est bon pour le pays, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse cela, ça vous avez prié, mais de Nafigia Sali, qui est ici, Alama Madir Dumbuya la Kanala. Alkalomo fwala le fisiri lombalili. Abara jamana ro tien. Alukata fwala du kajoutou ankuna. Kramona filou. Aliante chrétien lula. Albraka doua ouke la. Kafo kon la gine la here emino. Mais des imams na figi. Vous n'aimez pas dire la vérité. Alte tien fwala feu. Ici na fi akuma la molu nyakon. Albra slamaya. Slamaya valer boala. Albras la maya la gbsi. Parce qu'elle te tient fola. Vous n'aimez pas dire la vérité. Slama kalonka satole. Oye fola li benyene. Ambe satole. Londo. Mais. Ka silan sa yanye. Ka silan alanye. Bandi lu ya kaka jamana kono. De lu fwa tere kono. Ali ya kaka jamana. Ka beto robi. Parete jamana kono. Ibra mena ko slama horon. On a donné l'exemple. On nous a donné l'exemple. Il y a des hadiths qui parlent de ça. Celui qui va passer toute la journée en train de prier, pendant que son frère est en train de chercher l'argent, on lui demande, ah non, moi, mon frère est en train de, voilà, qui cherche. Dieu dit, celui qui cherche l'argent, qui nourrit, qui prend soin de la famille, lui, il a plus de bénédictions que toi qui passes toute ta journée dans la mosquée. Dieu connaît tout le monde. Mais qu'à cela, juste vous voulez des véhicules. Vous savez que, femme de talman, halalate, diamana kono del le tonyo labi. Ils sont en train de faire souffrir la population. Comme je suis en train de vous dire aujourd'hui, 2 milliards de nos francs, 200 000 dollars, la dépense du palais Mohamed V par jour. Par jour, 200 000 dollars, ce que Mamadi dépense. Allez-y voir la loi de finances en vigueur. Vous allez voir dedans ce que le CNT a validé là. 200 000 dollars chaque jour, Mamadi et son clan, ce que eux ils mangent au palais là. Ça dit leur dépense par jour et n'a rien dépensé ma par jour. On dit non, le pays ça ne va pas. Pendant que au Burkina, Ibrahim Traoré est en train de remplacer les 4x4 des ministres, a donné des tracteurs aux paysans. Ibrahim refuse de commander des 4x4 pour ses ministres. Il préfère les remplacer par des tracteurs. Comme ça, ces agriculteurs-là vont nourrir le peuple. Mais chez nous en Guinée, vous avez vu, quand Kagame est venu, c'est encore des 4x4 venus tout directement des États-Unis. Vous avez vu les 4x4, ce que les Américains roulent dedans. Il est venu ici, le villageois, il a vu ça ici. Pour la première fois, le villageois vient aux États-Unis. Il a été impressionné de voir ces GMC américains. Donc, bon, Natché, Américain, membre de nous, Al-Qaïdé, Al-Temidou. Vous avez vu maintenant, j'ai dit, malgré qu'il a acheté des Mercedes blindés, qui coûtent cher. Ça dit, on dépense chaque jour, on dépense. Le président Alpha Condé était dans quoi? Ce que les lanceurs ont compté utiliser, paix à son âme. Les Toyota 4x4 là, on a toujours vu le PM, tous ces gens. Mais regardez là aujourd'hui les dépenses. Allez-y voir les véhicules.
C'est-à-dire, je me demande quand est-ce le Guinéen va se réveiller pour dire que ces gens-là, c'est des plaisantins, c'est des bons à rien, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ces gens-là, leur place, en principe, dans un état normal, Mamadi devait être ou Alien Mako Damanda. Mamadi Touka Kaké Damanda de la Kadamansi. Kafouri Boduro. Mamadi la barre à Karanté, à Fostabro. Mamadi la barre Touka Kaké Ole. Et moi, Nani Conakry, même coxeria, même être un bon coxer à la SIG, Piacifré à Massé Okela. Un bon coxer pour vendre les pièces détachées là, à Madina, à Massakela. Et il est entouré par qui? Par des petites personnes, Albert Ancrudo, Bala Samourani, Amaralu, Mordininu, des arrogants comme ça, là, Al Kenya Mafene. Comme Dolmaku, Foska Lounyene. Ils étaient derrière tous les Damaro, les docteurs Kassouri, les docteurs Djané, là. Mais bi, il faut les voir. Tellement. Ça dit, Al Djouma, même le respect pour dire, on va laisser la justice faire ce qu'elle doit faire. Mais pour dire que, ah non, ces gens-là, nous les avons connus. Ils ont fait quelque chose pour nous dans le passé. Il faut qu'on les respecte. Il faut qu'on leur apporte notre soutien. Non. Il faut qu'on dise à Mamadi, ah Mamadi, Koka Kenya Nyaka, Anyere Kan Mol Lete, Anyalu Bunye, Alanka Kesaria Kela, Djamana Kona Denunye, mais Anyana Mobalu Bunye. Non. Ça dit, eux, ils pensent, Mankal, Koko. Mobala Maloya Temokalaman, Mobala Maloya Otemokla Mobai. Pour eux, en rabaissant ces gens-là. Donc, ils ont pris leur fauteuil, ils allaient avoir le même respect. Mais, regardez le pays aujourd'hui. Tout est en train de balancer. Faut-moi lui hankiri le sort. Fatma Dakita, ma soeur, la présidence avait publié que Mamadi a master en défense. Ça a été démenti. Il allait juste pour sa formation d'officier. Hein? Pour sa formation d'officier. Il a menti. Les gens de la présence comme Mamadi a master en défense. Via Dunia, via Belebeleba. Les journalistes ont vérifié. Même l'envoyer là-bas, c'est grâce à qui? Le président Alpha Condé. L'envoyer, le nettoyer. Il était légionnaire. Qu'est-ce que la France lui a donné? Pourtant, il était légionnaire en France. Il n'a rien eu. Alma fausse dama. Fouille! Faut côté Matongo Fetou. À nos côtés, même commandant Loro Kéré, la Koudou 100%, la Koudou Pro Max. Et d'ailleurs, il a été viré pour indiscipline. Demandez tout le monde. Les amis de Mamadou Doumbouya, des légionnaires, quand à ce moment mes vidéos, mes pages n'étaient pas attaquées, ils m'ont contacté. Et dit, mais votre pays est foutu. Mais lui, il n'était rien. Comme Mamadi, il n'était rien. Quelqu'un qui ne pouvait même pas prendre la parole. Allah Toubabouka Yere, Ado Lagben Kenko, c'est maintenant. Lui, il pouvait parler devant qui là-bas, dans la Légion. Ils étaient tous brillants que lui. D'ailleurs, le recrutement pour la Légion, ils ne prennent pas les brillants. Physiquement arrêtés, ceux qui ne réfléchissent même pas bien. Parce qu'on vous envoie des missions. Bidon seulement, allez faire le mal. Allez faire le sale boulot, comme lui-même il avait dit. Mamadi Souya na ke la Guinée Masaye comme ici konoko la Guinée di hereso la Guinée ka to here djuma soro la anke to here djuma soro la il n'a ni des relations. Regardez, il est en train de traîner Paul Kagame. Rwanda Troya et mom nkoka Ulumire Bena Congo koka, eux ils sont en train de tomber, envoyer soutenir le M23 à cause des richesses du Congo. Djuma Rwanda bro, c'est vrai que Paul Kagame, celui qui dit qu'il travaille pas bien dans son pays, il a menti. Mais il a besoin des richesses ailleurs. Maintenant, c'est l'or de la Guinée, les diamants de la Guinée maintenant, qu'on va piller maintenant, envoyer là-bas. Comment préparer, comment le garder, comment le soutenir à se maintenir. En échange de cela, la population va souffrir. Je pensais que Paul Kagame, un voyage d'un chef, quitter le Rwanda, au Sénégal, de là-bas, il vient en Guinée. Ça fait combien de fois Paul Kagame vient? Vous savez combien ça coûte tout ça? Vous pensez que ce n'est pas l'argent de Rwanda qu'on dépense? Mais en échange,
Kagame Sès, il a quelque chose à gagner en Guinée. Sinon, vous pensez que ce monsieur, ce doyen, cet ancien, va se lever comme ça, venir? Comprennent cela. Hein. Il faut que les gens comprennent. Mouna fait Narankoui. Aujourd'hui, personne ne veut de Mamadi, mais on fait comment? Personne. Je vous ai dit. Je vous dis de vous abonner sur la nouvelle page. Toutes mes pages, il y a eu des virus. C'est pourquoi les gens ne voyaient pas des notifications. Voilà. Et toi, le type encore, tu es venu. Alpha Diop, là, tu avais dit le matin que je ne travaille pas, je t'ai montré ce que je fais. Je t'ai dit que je ne suis pas le copain de ta maman. OK? Ça dit, c'est vous qui faites que moi, je n'insulte pas. Mais quand je vais finir de parler, là, tu vas aller t'asseoir. Tu vas pisser sur toi-même. J'ai dit que je ne suis pas le copain de ta mère. OK? Moi, je ne suis pas le copain de ta mère. Imubere Mantanago. Marafalebe. Toi, Alpha Diop, là. Je ne suis pas le copain de ta mère. OK? Tu n'aimes pas Damaro. Ne me suis pas. Inganyenge Mantanago. Maranafalebe. Inganyenge Mantanago. Tu as dit si je ne travaille pas. Je t'ai montré déjà. Tu veux quoi d'autre? Je ne suis pas le copain de ta maman. OK? C'est vous qui faites que les gens vous parlent ou vous ramènent. Continue encore. Des maudits comme ça là. Vous ne voyez pas le pays. Le président, lorsque le président Alpha Condé était là, c'est comme ça la Guinée était. Pénurie de carburant. Hein? Délestage là. C'est ce qui était là, maudit là. 18 500 personnes à la retraite, maudit. Inganyenge nan nantana. Quand ta mère t'a dit que je n'ai pas payé la dépense, je t'ai dit, tant que tu viens, je vais mal parler sur toi. Viens. Quand ta mère vous a dit que moi, Damaro, je ne travaille pas ici, je n'ai pas envoyé la dépense pour elle là-bas. Hein? Le maudit, là. Alpha. Ta mère t'a dit que je n'ai pas donné la dépense. Comme Inganyenge nan nantana. Damo kombiti made. Mais on voyait nan somi yira. Inu siga isa. Akone mouba maifate. Des maudits comme ça, là. Vous voyez le pays en train de brûler, des maudits comme ça, là. Parce qu'autant, Shaitan Bonsena Naura, non dimura fauma. Tandis le maudit, tu viens d'arriver, là. Tu as vu ce qui... Tu as vu? Désolé, la famille, il faut que je monte à ce maudit, là. Tu as vu ça? Ce qui s'est passé aujourd'hui, toi, maudit, là. Hein? Et barato, toi le maudit là, mara fale inganyenge mutanago, c'est ga inganyenge fi. Voilà, c'est ga inganyenge fi, inganyenge naga mu dépense fi ma c'est ga na fe nta marago. Hein? Para na fale be. Donc merci à tout le monde, le combat continue, on est ensemble. Voilà. Thank you.